Salut mon cher futur moi. On est le 10 février 2024. Il est 14 h. Par où commencer? La famille? Ouais, la famille, ça me paraît bien. Tout ce qui est papa, maman, mamie loulou, mamie chat, si elles sont encore là. Si l'une des mamies sont mortes, hein, mamie loulou, mamie chat. J'espère que tu seras pas trop triste parce que on est très proche d'elle. J'espère que tu traites bien ton entourage parce que des fois j'ai des tendances à être morose souvent, à me poser beaucoup de questions par rapport à moi-même. J'espère que du coup bah t'as fini de te remettre en doute et que t'as confiance en toi parce que j'ai des gros problèmes de confiance, moi, encore maintenant. Pour ce qui est de tes passions, j'espère que t'es toujours fan, mais ça, je m'en fais pas encore. Je pense que ça, tu ne l'as pas oublié. Tout ce qui concerne ce petit objet, bon, il y en a un plus gros à côté, hein, mais je vais pas tout débrancher, hein. Je parle bien évidemment des jeux vidéo. J'espère que tu es toujours autant passionné par ce monde qui me paraît tellement fantaisiste et incroyable. J'espère que t'as gardé quand même un bon niveau, hein, parce que je te rappelle que je suis au lycée Saint-Jean-Baptiste et que j'ai gagné le premier tournoi de jeux vidéo initié par le lycée. Après, pour ce qui est des meufs, on rentre dans le domaine compliqué, en tout cas pour moi. J'espère que t'as trouvé la bonne, que t'es attentionné avec elle et que c'est réciproque. J'espère que tu rends pas trop la vie dure avec ton humour pince sans rire d'après les copains et ton côté flemmard. J'espère que, bon, je pense pas être papa à 26 ans, parce que je trouve que c'est un peu tôt quand même. Mais j'espère que quand tu auras des enfants, tu les chouchouteras. Pas trop non plus, hein. J'ai pas envie d'être un papa poule. Mais j'espère que tu leur transmettras les bonnes valeurs. J'espère que tu continues à être aussi drôle. J'espère que tu permets aux gens d'oublier leurs problèmes, ne serait-ce qu'un instant. Soit avec tes films en étant monteur, soit peut-être en étant humoriste, hein, c'est aussi une possibilité à ne pas exclure. Pour finir, comme l'a dit un grand poète qui est Ibra TV, on peut sortir singe de la forêt, mais on sortira pas forêt de la singe. Allez, à plus mon futur moi. J'agis, sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.